Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue. Madame Mireille Grosjean, qui est présidente de la Société Suisse d'Espéranto, monsieur Francis Grain, professeur de l'université, François Grain, pardon, ainsi que le président du Grand Conseil, mesdames et messieurs les conseillers municipaux qui nous font l'honneur de leur présence, mesdames et messieurs, chers amis et amies, nous sommes réunis pour inaugurer cette plaque qui existe depuis passablement d'années et surtout pour une fois de plus rappeler ce qu'est l'espéranto. L'espéranto est une langue internationale créée à la fin du 19e siècle par Ludwig Leiser Zamenhof dans le but de faciliter les échanges entre personnes de langue maternelle différente. Né en 1859 à Bien-Wiskott. Et l'espéranto pourrait être une solution, une langue commune qui serait, même y compris en Suisse, très utile. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous propose de passer la parole à Madame Mireille Grosjean. Mesdames, Messieurs, je vous salue. Bonjour, au nom de la Société Suisse d'Espéranto, dont je suis la coprésidente, avec Monsieur Dietrich Weidmann qui est assis là-haut. Nous avons, les Suisses, la lourde tâche, je dirais, de représenter l'espéranto à l'ONU, étant donné que nous sommes une ONG reconnue, l'Association universelle d'espéranto, et parmi les espérantophones suisses, nous avons 4 représentants officiels qui font le lien avec l'ONU. Il y a une même équipe qui fait le travail à New York et il y a une même équipe qui fait le travail à Paris auprès de l'UNESCO. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, alors j'aimerais donc vous dire quelques mots qui concernent l'espéranto, mais sous l'angle de mon domaine de recherche principal, qui est l'évaluation des politiques linguistiques. La politique linguistique, ça touche des questions telles que les langues à employer dans des organismes nécessairement plurilingues. Et l'exemple qui vient naturellement tout de suite à l'esprit, c'est l'Union européenne avec ses 27 États membres et ses 23 langues officielles. Là, c'est vraiment un problème tout à fait central de ce qu'on appelle la communication multilingue. Et c'est tout particulièrement à l'égard de cette dernière question que l'espéranto est fort intéressant, peut-être pas comme solution unique et totale, surtout que vous êtes bien passé pour savoir à quel point quelquefois la simple mention du mot espéranto soulève toutes sortes de réactions très vives et très ignorantes parfois. Mais je pense que l'espéranto a un énorme potentiel en tant que... jardin de cette maison, mais qui a été envahi par le lierre et le sauvage. Et en fait, on a jugé opportun de le déplacer pour que les Genevoises et les Genevois remarquent cette plaque. Et notamment aussi les touristes qui vous pouvez compter le nombre de gens qui ont pas se poursuivre. Parce qu'on l'a ou on l'a pas. Comment est-ce que vous comptez ? Est-ce que vous me comptez dans les anglophones ? Au niveau d'anglais, il est très moyen. Donc il y a des gens qui vont dire, si tu sais dire 3 phrases en fond, les gens qui vont dire en fond, comme un microphone, si tu veux pas dire. Donc,